Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une machine de guerre. Mais avant de rentrer dans les détails, l'idée c'est de revenir rapidement sur ma config qui m'a accompagné ces 5 dernières années. Qui est sur ma gauche, à l'intérieur on a un i9-9900K avec une carte mère MSI Z390 Gaming Pro Carbon. On a 32Go de RAM en 4x8, en DDR4, en K16 3200 MHz. Côté stockage, on a un M2 SSD de 500Go pour accueillir l'OS. À côté, j'avais ajouté un SSD de 4Tera pour les jeux. Et puis j'avais 2 ou 3 HDD de 2Tera chacun, mais finalement j'ai tout retiré. J'ai laissé le SSD de 4Tera, le SSD M2 pour l'OS et puis un HDD de 2Tera puisque la tour là sera évidemment à vendre. Au niveau du boîtier, on est sur un NZXT H500, pareil pour le water cooling, c'est du NZXT X52 à Kraken. Au niveau de l'alimentation, c'est une Corsair de 850 watts et pour finir évidemment, celle qui a morflé toutes ces années malgré la config que j'ai derrière moi. Il s'agit de la RTX 2080 Ti de chez MSI, mais comme c'était l'une des plus puissantes en termes de fréquence boost, c'est pour ça qu'elle a pu faire le job jusqu'à présent. Parlons maintenant de la tour actuelle. Alors on est déjà sur un boîtier Lianli Evo XL, puisque c'est un format de grande tour, pareil pour le système de refroidissement. Il y a 10 ventilateurs de la même marque qui refroidissent l'ensemble. D'ailleurs, c'est les tout derniers, puisque c'est la version V2 Reverse. Reverse, puisque l'idée, c'était de ne pas avoir la croix qui maintient le ventilo à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir les ventilos visibles à l'intérieur du boîtier, puis la croix à l'extérieur. Et bien, ils ont créé justement ces modèles Reverse sur le marché. En termes de ventilos, il y a 6 ventilos qui refroidissent le water cooling. D'ailleurs, c'est un Asus ROG, je ne sais plus comment il s'appelait, Radeon 3, un truc comme ça, ARG. Avec un écran LCD, je pense que c'est ça qui a fait que c'est l'un des plus chers sur le marché en termes de water cooling IO de la marque de chez Asus. Justement, sur le water cooling, j'ai associé les ventilos Lianli et ceux fournis avec le water cooling. Donc il y a 6 ventilos qui refroidissent le water cooling. D'ailleurs, on voit les températures du CPU et GPU sur le LCD qui vient directement se connecter sur la carte mère. On est donc au total sur le boîtier à 13 ventilos et qui tournent silencieusement. C'est assez bluffant. Au niveau de la carte mère, on est sur un Asus Strix Gaming. D'ailleurs, dessus, pour pouvoir installer le processeur, j'ai ajouté une petite plaque en alu que vous commandez sur Amazon. Ça coûte 19 balles, enfin 20 balles, et qui permet de faire chuter en moyenne de 10 degrés la température du CPU. Pour vous dire que je suis allé vraiment au petit détail pour vraiment essayer d'optimiser au maximum la config. J'avais pu voir quel comparatif. Un mec avait fait un benchmark, il était à 82 degrés. Il a installé cette plaque, il est descendu à 72, puisque justement celle-ci permet de pouvoir lisser lorsque vous posez le système water cooling sur votre CPU. Au niveau des attaches d'origine par défaut sur la carte mère, vous avez une espèce d'attache qui vient loquer le CPU. Et bien, toute cette partie-là se retire et on a cette plaque qui vient prendre sa place pour vraiment avoir une plaque complètement linéaire et avec la chaleur d'éviter de déformer l'ensemble de la fixation. Donc ça, c'est vraiment recommandé. Il est très très bien noté sur Amazon. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description. Pour rester toujours chez Lianli, on a ce connecteur de la carte mère qui est aussi relié à un boîtier à l'arrière. Au niveau du stockage, on a un M2 d'un Tera Samsung pour pouvoir accueillir l'OS. Et à côté, j'ai acheté donc un N2 de 4 Tera pour accueillir tout ce qui est jeux vidéo. Il y aura aussi un HDD que je laisserai à l'intérieur pour tout ce qui est dossiers, fichiers, photos, tout le reste. Pour supporter la carte graphique à la verticale, pareil, c'est le dernier support de chez Cooler Master, le V3, qui permet de mettre la carte graphique à la verticale. Vous avez ensuite un connecteur qui vient se fixer à la carte mère. Ça coûte à peu près 80 balles en termes de design. Voilà, ça fait toujours la différence. Au niveau de la mémoire, on est sur 64Go en DDR5 avec 6400 MHz. On est sur des Dominator de chez Corsair. Côté Alim, on est chez Asus sur le modèle Thor Platinum 2, 1200 watts. À l'intérieur, on a un i9-14900K et pour finir, donc la pièce maîtresse, une RTX 4090 de chez Asus, la Strix OC. Donc pareil, je crois que ça doit être l'une des plus puissantes en termes de fréquence boost. Donc pour vous dire, vraiment, j'ai fait en sorte d'avoir à la fois une config extrêmement puissante en termes de confort au niveau de la RAM et pareil, en termes de stockage, je pense que je vais ajouter encore un M2 SSD de 2Tera, puisque bon, ça me permettra quand même d'aller stocker des choses complémentaires. Mais j'ai pas encore essayé, honnêtement, de tester la tour in-game. Vous voyez que les ventilos sont complètement coupés, puisque même en essayant de mettre une vidéo sur YouTube en 4K, les ventilos ne se déclenchent même pas, il y a zéro utilisation. Mais bref, toujours est-il, je l'ai pas encore testé, ni pour le montage, ni pour les jeux. J'ai à peine pris le temps d'installer Windows et puis quelques updates de pas mal de périphériques. Je verrai sur le temps ce que ça va donner. Vous le verrez de toute façon dans mes vidéos, puisque maintenant les formats seront 4K, pareil sur les 3 télés, tout l'ensemble sera en 4K lorsque je serai avec la GoPro. Mais bref, honnêtement, je suis assez satisfait et assez fier d'avoir attendu tout ce temps pour pouvoir m'offrir, on va dire, ce bel objet. On verra au fur et à mesure du temps, je vous fais un petit feedback et puis évidemment vous le verrez en termes d'évolution, en termes de qualité qui va clairement upgrade sur mes vidéos. J'espère que ça va vous plaire, hein, cet upgrade qui améliorera encore une fois la qualité de mes vidéos. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura plu. L'idée c'est quand même d'avoir fait le mort pendant quelques temps, mais d'optimiser au maximum cette installation et vous la présenter dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos avis de ce que vous pensez de cette config. Et puis encore une fois évidemment, celle-ci il va falloir que je la formate au complet puisqu'elle va me permettre de faire le montage de cette vidéo avant de formater complètement le PC.
PC et de basculer intégralement sur celle-ci. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous, et on se dit à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.